Noumane, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi. Ta-da-ta. Besoin de crédit? FIFAcrédit.com. Salut les binous, c'est Noumane. On se retrouve pour le premier match, le mode Coupe du Monde avec l'équipe que je vous ai présentée la dernière fois que j'ai vu grâce à une mini ouverture de pack, enfin quand même 100 000 crédits, mais on a réussi à se faire une belle petite équipe. On va l'étraîner, comme je ne sais pas comment dire, tester pour la première fois, voir un peu comment ça se passe déjà. Alors jouons match, mon groupe, je suis tout seul, ça qui m'inquiète. On va voir s'il arrive à me trouver quelqu'un et comment ça se passe. Voilà, on va le rincer un peu ce mode de jeu. Vous voyez que l'équipe, alors attendez, j'ai même pas regardé s'ils étaient au taquet de leur. Oui, voilà, ils sont tous au taquet. Heureusement, tu me diras, parce que si les mecs qui commencent une compétition en étant rincés. En attente d'adversaire, tiens, ça tombe bien, on va se taper un anglais. Si on peut s'en taper un au premier match, c'est pas moi que ça va déranger. Alors est-ce que les. Real Birch, ok. Quelle est donc ton équipe? Est-ce que ça montre? Oui, alors nous avons de l'américain, du 83 de collectif. Nous avons. Oh, il y a eu Lucas. Il y a Sergio Ramos également. Il y a Johnson, le BU américain qui fait si mal. Oula. Alors. Oui, d'accord. Oui, il est chaud. Tiens, moi aussi je suis chaud, c'est tant bien. Allez, les bleus. Et 1 et 2 et 3-0. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. En tout cas, on va essayer de te la mettre bien profonde. Allez, il est parti là-haut, voilà. Allez, Elia. Oh putain, l'accélération d'une moule. Bon, fallait pas la donner là. Ah, il fallait pas la donner là. Mets ta tête. Voilà, le premier but en direct, truite dans le filet. Tweet. C'est notre ami Diego Costa, l'espagnol, enfin le nouvellement espagnol. Bon, sans tête but, un classique. Moi, je m'en fous, j'ai eu Ramos, je vais faire une équipe colombienne juste pour jouer avec Ramos. Voilà, 83, c'est vrai que... Alors, je suis impatient de voir. Ça tente quand même de la KSI quand même. Hein. L'anglais, même pendant la Coupe du Monde, ne renie pas ses origines. C'est génétique, hein, la KSI. Les enfants qui naissent, qui vont jouer à FIFA dans quelques années, sauront faire une KSI. C'est comme ça. Moi, ça tombe bien. Je vais faire des L1 LBY. Attention à la défense quand même. Parce que Joe... Ah, il y a Joe aussi. Voilà. Attention. Alors, ça passe pas, ça. Voilà, c'est coupé. Ma défense est bonne. Hein. Ma défense centrale est très bonne. La défense sur les côtés est un peu plus compliquée. Mais pourquoi pas. Allez, on va faire un peu de technique. Hop là, McGee spin, ça passe pas. Est-ce que ça va être récupéré? Non. Si, attention à la défense. Attention à la défense. C'est qui est-ce qui récupère ça? C'est Gibbs, notre ami Gibbs du NCIS. Allez, par petit. On a envie que tu perds. Ton 91 de vitesse, tu dois le faire partir. Ah, oh, dommage. Bon, il a pas trop de physique. Ouh, putain, il a réussi à la foutre là. Bon, alors au niveau du gameplay en lui-même, bon, ça, il n'y a rien qui change, hein, on est d'accord. C'est exactement la même chose. Oh, Müller. Oh Müller. Hop là, tu croyais pas. Voilà, à l'accélération d'un chamallow, mais n'empêche que ça marche. Tiens. Ah bah moi c'est pareil, hein. Je faisais que des centres de but sur le. Oula. Qu'est-ce qui tire ça? J'ai pas vu. Allez. Oup, c'est passé juste à côté. Pour l'instant, la France elle est bien. Notre ami anglais qui tire un peu la langue. Il n'y a pas d'animation particulière. Bon, ça lag toujours autant, hein. Ça y a pas de secret. On va pas nous faire non plus un nouveau mode de jeu sans enlever les bugs de l'ancien mode, ce serait trop facile. Attention à Johnson. Ah, ça risque d'être le deuxième. Ouh, le potal. Allez, dégage-moi ça, loin. Bien joué, ça. Ah, tu l'avais pas eu, celle-là. Changement d'aile, efficace. Allez, voilà, il est parti, mais ça va être un peu mou. Vraiment, ça passe pas, ça. Si, ça passe. Attention à Johnson. Johnson, très très costaud. Bon, il avait demandé un petit appel, mais il lui avait donné, voilà, au mauvais moment. Ouf, ça ratisse. Ça, là, le poète pas mal. Allez. Oup, là, petit Koza qui a failli s'en manger une belle. Alors, j'entends une espèce de coup de feu derrière chez moi, je sais pas ce qui se passe, un règlement de compte peut-être. Je vais m'en trouver avec un cadavre dans mon jardin, je vais être bien. Allez, Diego Costa qui fait l'appel. Encore une fois, Diego Costa, tout de suite. Bing! Oh, joli Diego Costa. Bon, le gardien est rincé. Tweet! 2-0, Diego Costa. La grosse frappe directement. On n'a pas attendu, j'avais vu qu'il avait fait l'appel, c'est pour ça que je me suis permis un petit LBY des familles et bang! Très fort ce Diego Costa, très fort. Je suis bien content de l'avoir eu, c'est vrai que ça fait zizir. On va essayer de faire quand même une équipe Amérique du Sud pour tester notre ami Luis Suarez. Ce serait dommage d'avoir un joueur à 88 de collectif et de ne pas l'essayer. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant,
si ça pouvait se passer aussi bien avec la France. Voilà, on fait tourner un peu. J'ai décidé de poser un peu plus le jeu. C'est vrai qu'avant, je le posais pas assez. Allez, on le tente ou pas? On le tente. La grosse frappe! Bon, ah, dommage. C'est avec qui? Bon, il est pas gaucher. Ah, c'est peut-être avec... Ah, Diego Costa. Non, il était droitier pourtant. Dommage. Oui, il fallait le tenter. Non, c'était pas Diego Costa. Je pense que c'est le ralenti de... Comme c'est lui qui a marqué à chaque fois, vous savez, les petites animations avec le buteur. Allez, passe devant. Petit coup de physique. Boateng à l'ancienne. Voilà, tranquille. Non, mais je vous jure qu'en plus, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai vraiment des coups de feu. Alors, c'est quoi, c'est ma voiture qui est en train de brûler, je sais pas. On verra bien, de toute façon. Fuite, c'est plus important que tout. Je ne vis que pour fuite. Faut brûler ma caisse, je m'en fous. Je reste là. Allez, mais ouais, mais oh, si tu sais pas. Allez, oh, physique. Oh, dommage. Je sais pas s'il y a du physique, Diego Costa. C'est vrai que je l'ai jamais trop testé. Tout ce que je sais, c'est qu'il est réellement efficace devant les buts. Il y a une finition de peur. Bon, ma défense fait toujours aussi bien le taf, ça c'est sûr. Et normalement il est pas hors-jeu. Alors j'ai pas regardé combien il avait d'étoiles de geste technique. Ouais, par contre si tu pars pas, on va attendre un peu. Voilà, petit appel qui se fait. Ensuite, ouf, 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 il n'y a pas une petite main là. Bon, ça lagouille, hein, ça lagouille, on va pas se mentir. Vous m'excuserez. Allez gardien, allez gardien, allez gardien. Voilà. Bon, il faut que je change absolument mon gardien et mon défenseur droite et gauche. Encore Crescito, c'est pas le pire, mais surtout à droite que ça me... C'est surtout à droite que ça pique un peu. 34ème minute, putain, je trouve que les mi-temps sont super longues. Je sais pas vous. Il y a peut-être du temps à changer. Peut-être ils ont peut-être mis un peu plus de temps, on sait pas. Allez, là-haut, il est parti. Mets ta tête, voilà, bien joué. Oh, Polo. Au physique, l'ancien, quand même, là. Voilà, heureusement, ça coupe. Ouais, on récupère avec beaucoup de chance quand même. On va écarter tranquillement, là-haut, voilà. Elia. Ah, tu m'as guidé spin, ça fait plaisir. Bon, ça passe pas. J'arrive pas encore à placer les gestes techniques et que ça élimine efficacement un joueur. Ah, par contre, s'il n'y a personne qui veut y aller, au bout d'un moment, il risque de marquer. Voilà. Donc, la défense FIFA, c'est toujours un réel problème hein, au niveau de la du sélection des joueurs. T'as beau être en manuel, t'appuies comme un goré, bah, il te sélectionne personne, hein, ce qui fait que bah, t'as des trous d'air dans ta défense et que tu te prends un but si t'avais pu choisir le joueur que tu voulais vraiment contrôler, que tu ne t'aurais jamais pris. Ça fait toujours de l'avantage, on va pas se plaindre, hein, on est toujours devant. Voilà, je suis en train de tenter un double contact avec un défenseur gauche, un défenseur droit de 65 de général. C'est forcément beaucoup plus compliqué. Allez, on va se faire reprendre quand même. L'anglais n'est pas plus fort que le français, il faut le savoir. Voilà, allez. Va mon ami, va, Polo, Polo, Polo. Polo qu'on a vu en tots, hein. C'est vrai qu'on l'a souvent. Voilà, ça c'est bien joué ça. Ah, je pensais peut-être qu'il allait avoir le ballon. Oui, gardien quand même. Le gardien aussi est rincé, hein. Le gardien est rincé. Je suis désolé pour mes amis portugais, mais je pense hein, que c'est le gardien portugais. Ah, dommage, ça part plus, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont devenus tout mou. Alors que ces joueurs sont devenus très très véloces. Les miens, ils l'étaient avant, ils ne le sont plus. Allez, c'est la mi-temps, il faut que ça siffle. Hein. C'est pas pour eux, je sais pas pour vous, mais moi je la trouve très très longue cette mi-temps. Ouais, je sais pas. Voilà, bien joué ça. Si on peut marquer un petit troisième avant la mi-temps. Ah. Quand est-ce que je vais réussir à centrer, mon ami? Allez, mets ta tête. Bon, c'est pas très très beau, mais au moins, on assure les 3 points. Parce que ça reste une compétition maintenant, c'est ça le truc. C'est que tu peux pas te permettre, bon, après quand t'as 9, 6 points et que t'es qualifié pour le deuxième tour, tu peux jouer comme un couillon. Là, il faut assurer, surtout en plus, tu vois bien, il est marqué. C'est un Anglais. Anglais dans FIFA, t'as qu'une envie, c'est n'importe quelle manière, lui mettre un peu sa mère. Pour l'instant, les stats parlent pour nous, on est largement devant. Est-ce qu'on te tient une KC ou pas? Ah non, quand même pas. On n'est pas à ce point-là. Ouf. Bien joué ça. Ah, oui, pour lui-même. Oh, il est fort, Elia. Elia, oh, bah oui, il a battu. Oh. Petit numéro d'Elia qui a bien travaillé sur le côté, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a du gros frappeur? Bing! What, dommage! On est gaucher, il est du droit. Je la trouve super décalée cette caméra par exemple. Ah, c'est bien tiré ça. Ah, vite.
Allez, bing! On tente. Alors, je sais pas ce qu'il y a derrière les buts. Il y a une espèce de terrain, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un... une pelouse synthétique qu'ils ont collé derrière les buts. C'est très, très bizarre comme effet visuel. Là, tu vas le mettre là-bas. Voilà, forcément. C'est... Oh la vache! Oh la vache! L'accélération! Ah, mais Lucas, qu'est-ce que c'est que ça? Et Lucas, il a bouffé des... il a bouffé un Mars. Quoi. Le truc, ça devient une bête de foire, le truc, tellement il va vite. Là, Lucas, il est parti à 4000 km/h, on l'a jamais revu. C'est l'homme boulet. Ah, moi aussi, je m'en lie. Ah, on a tenté le petit enchaînement avec le McGillispin et le Ronaldo Shop. Ah, d'accord. Toi aussi, tu sais en faire des. Allez, Bastian Schweinsteiger pour la grosse frappe. On n'a pas réussi à, trop en, à mettre en position, c'est dommage. Quand on a un joueur à 87 de général, pas réussi à le mettre en position, ça fait un peu couillon. Voilà, il s'est bien démarqué, dommage. Ah, je pense qu'il ne s'attendait pas à le récupérer, du coup il avait déjà armé sa frappe. Donc, heureusement pour moi et malheureusement pour lui. Ah mais c'était hors jeu aussi. Elia. Place-toi mon ami. Scoop turn. Ah, fin de frappe. Ouais, 3 contre 1, ça risque de pas passer. Il y a du monde derrière. Ah, lui aussi, c'est pareil, il fait des petits gris-gris. Bon, il y a eu le fameux Johnson et son physique de mammouth, hein, le mec il démonte tout le monde, voilà. Au bout d'un moment, peut-être ça s'arrête. Johnson, il n'y a que dans FIFA hein, que le mec il est connu. Après, ça reste un illustre inconnu au bataillon. Toni Kroos, son 5 étoiles de mauvais pied. Voilà. Allez, bing! La grosse frappe! Thomas Müller! Oh, celle-là, elle est pas piquée de verre. Hein. Oh la vache! Tiens, tu connais de la banane? Bing, banana shot, flouch. Merci d'être venu, je suis désolé, t'auras droit à quelques petits ralentis. Oh, c'est pas souvent que j'en mets des comme ça. Ah bah la caméra, elle arrive même pas à suivre le ballon tellement il est bien placé. Bing. Oh, celle-là, j'aime quand ça part comme ça. Oh, superbe. Oh, le gardien qui est en train de se dire, oh, dommage. Ouais, voilà, on va peut-être pas tout lui montrer non plus. Un petit rage kit, mon ami, ça me ferait plaisir. Rôle d'anglais. Ah ouais, K ici, c'est, je te dis, c'est vissé dans leur gêne. Voilà. Ah, putain, j'étais en train de me dire que j'arriverai jamais à la récupérer. Bien joué ça. Bon, j'ai encore aussi Yang Gambiwa et mon gars là. Il fait que l'un dans l'autre. Oh. Et Boateng, ouais, c'est bon, au final c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait, le couillon? Ah, ça défend correct. Ça défend easy. Easy. Oui, bien sûr. Oh, il me fait un chute. Oh, il me fait un chute. Bon, le but est magnifique. Hein. Le but est magnifique. Je pense que quand t'es... Oh, oui, alors toi. Voilà, bah, c'est les Anglais hein, en même temps. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire pour le faire chier? Je suis en train de chercher. On va lui mettre un vieux but dégueulasse déjà, un vieux but de la tête. On va lui faire un chute et 5 ralentis. Voilà, la totale, l'oreille, la truite pas dans le filet. Vous avez eu droit à 2 longs shots. Hein. Un de ma part, c'est très bien. Un de sa part, ça fait un peu con. Mais en même temps, vous avez eu du beau but. Ce serait bien de lui mettre un petit quand même. Vous avez vu quand même cet anglais. Hein. Il perd 4-1. Il met un but 4-2 après avoir tenté 2 cas ici. Il fait un chute, je sais pas. C'est ils ont une drôle de manière de voir le... Pourtant, c'est eux qui l'ont inventé. Hein. C'est eux qui ont inventé le football. Eh ben quand même, hein, ils jouent comme des gorées. Chulé. Allez, un petit but là. Petit but quand même. Ah, je suis content, vous avez eu 2 beaux buts. Ah, il y a faute, mais oui, il y a faute. Penalty. Non, je déconne. Ah, il y a moyen de se faire plaisir dans ce match. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le tirer comme ça. On va essayer de mettre sa grosse tête. Voilà. Voilà. Voilà, LBY. Merde. Ah, tranquille, nous.
Ah, il se jette en touche, bien joué. Je suis concentré parce que je veux absolument lui en mettre pour lui faire un shoot. C'est con, hein, mais quand t'as un mec en face comme ça, en face de toi, t'as plus envie de lui en mettre une petite quand même. Histoire de lui dire, t'es bien mignon, mais... Allez, allez. Ah, dommage. On a plus d'action, là. Il y a eu deux buts magnifiques, et après, plus rien. C'est fini. Fermez le banc, il n'y a plus rien à voir. Par contre, oui, toujours ce problème pour sélectionner les bons joueurs. Ah, le mec, il a deux monstres en attaque, hein. Joe et Johnson, là, je sais pas qui c'est, mais... Ah si, on sait qui c'est, mais voilà, quoi, par rapport à ce qu'ils font en vrai, là, celle-là, tu l'as pas vu venir. Ça fait zizir, c'est moi qui régale. Hop, hop. Ouais, oula, et pour jeu. Allez. Bah ouais, mais les gars, si vous proposez pas... Ouais, hors jeu. 86ème, toujours 4-2. Voilà, on va la mettre là-bas. Tranquillou, tranquille Emile. Allez. Pour la tête de Diego Costa. Bien joué ça, bien battu. Eddie Johnson. Tiens, pousse-toi, excuse-moi, j'ai quelque chose à faire. Voilà, allez, allez, allez. Ah, je voulais... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Je voulais tant lui mettre ce petit but. Allez, Polo, le vermisseau. Ah, un petit corner, un corner penalty. Allez, un corner penalty, on s'en fout. Moche si c'est, on s'en fout. Je vais juste lui en mettre un. Bon, j'ai l'honneur de la France, messieurs, dames. Oh, il le sauve sur sa ligne. C'est pas grave, ce sera une petite victoire quand même. Ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vas-y, tacle-le. Hein. Hop là, excuse-moi. J'avais quelque chose à prendre, c'était le ballon. Tu m'excuseras, hein, je pense que t'avais tout mouré d'envie de marquer. Allez, c'est terminé. Bon, bah, vous aurez vu une victoire, deux superbes buts, une mentalité d'enculé, mais bon, c'est un anglais, hein, ça, on va pas se mentir, c'est... Oh, ça reste très spécial. On va aller voir comment ça se passe après, parce que là, pour l'instant, on est que deux, ou je sais pas. Cette histoire de groupe, là, m'inquiète, mais je trouve ça un peu bizarre. Une triplée de Diego Costa avec un magnifique but de Thomas Müller, un magnifique but également de Lucas. C'est Lucas qui a mis le long shot, bravo à lui. Au niveau des stats générales, je pense qu'il n'y a pas photo, hein, quand même. On a vu qu'on était bien au-dessus. On va aller voir ça. En tout cas, voilà, petite vidéo découverte, premier match sur le FUT, entre guillemets, FUT Coupe du Monde. C'est bien, ça permet de varier un peu. FUT, on avait fait vraiment le tour, les maillots, les cartes. On a l'impression de voir toujours les mêmes tronches. Alors, veuillez patienter. Voici, victoire pour le premier match de phase de groupe. Ok, génial. Ok. 9,5, les arrêts 4, de ton côté 4 aussi. Récompense, bon, on gagne des crédits, d'accord. Continuer, récompense, homme du match, 12 frappes, ouais, d'accord. Bon, c'est mérité. Bon, on m'a dit qu'on gagnait des packs à chaque fois qu'on gagnait un match, à voir, on va aller voir ça. Veuillez patienter, tiens, j'ai Lionel Messi dans l'arène. Oulé. Pourquoi ça coupe? Je vais m'amuser avec Lionel Messi. Allez, montre-moi un peu, on va juste aller voir si on récupère effectivement un pack. Jouer match, alors, mon groupe, d'accord, donc j'ai 3 points, c'est bizarre, c'est pas très bien fait ça par contre, hein, le fait qu'on voit pas, on voit pas les autres adversaires. Ouais, à voir, ouais, bon, on va étudier ça, je vais juste aller voir s'il y a un pack effectivement d'offert ou pas. Ah oui, on a un petit pack, bah écoutez, on va l'ouvrir ce pack, hein, on va aller compléter, c'est bien, ça permettra à pas mal de monde qui n'arrive pas à avoir des crédits, parce que forcément tout le monde n'a pas la chance... comme moi de pouvoir ouvrir des packs grâce à mon partenaire fifacredits.com. Et donc voilà, dès que tu gagnes un match ou même quand tu fais un match, même pas, pour oui c'est vrai qu'on m'a peut-être dit aussi qu'il y avait, c'était même si tu faisais un match ou une défaite, je sais pas, à voir, pour l'instant je n'ai fait que des victoires, donc à étudier. Petite ouverture de pack, puis ça permettra d'ouvrir un pack à chaque fin de vidéo, ça fait plaisir. Allez, tourne mon ami, tourne. Alors attention parce que ça peut être aussi dans... Ah c'est tout, ah d'accord, on a un joueur, ok. D'accord, ok, bah je pensais que c'était un. Oui, enfin, au départ on pensait que c'était un pack, donc là, apparemment on a qu'un seul joueur. Envoyé au club. Allez, envoyé au club. Ok, donc c'est. Ouais, c'est pas plus mal ça. Comme ça on a un joueur à chaque fois.
Bon, bah écoutez, j'espère que ce premier match de FIFA fut de Coupe du Monde vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir et je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien, salut tout le monde. Newman, Newman, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro. La grosse frappe!